بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم mes chers frères et sœurs. Donc je viens faire ce témoignage pour vous parler de la khalwa, de la retraite spirituelle que j'ai vécue avec Cheikh Mohamed Fawzi Karkari, le Cheikh de la Tariqa Karkaria. Donc c'était un lundi soir et Seyyid Nashir vient me voir et me dit que m'annonce que le soir même j'allais rentrer, il allait me faire rentrer en retraite spirituelle en khalwa. Donc il nous prépare une pièce à côté, enfin dans la Zawiya mais un peu séparée au calme, dans une pièce sombre pour qu'on soit concentré et que notre ego ne veuille pas regarder à droite à gauche ou faire autre chose que ce qu'on doit faire, c'est-à-dire se concentrer dans les décrets et se concentrer dans ce qu'on voit. Donc il nous prépare la pièce, il nous met un coussin au centre de la pièce et je vous avoue que j'appréhendais beaucoup la khalwa parce que passer quelques jours comme ça dans une même position à faire du dhikr, j'avais jamais fait. Alhamdoulilah, j'avais passé chez moi en dehors de la Zawiya, je faisais du dhikr, quelques séances de quelques heures, une heure et demie maximum, mais jamais toute une nuit, toute une journée, de façon continue comme ça. Et là, j'appréhendais beaucoup, et alhamdoulilah, au final, ça s'est bien passé par la baraka de Sidi Cheikh. C'était un peu dur pour ma nefs, mais ça, par la baraka de Sidi Cheikh, ça s'est bien passé. Donc, il nous demande de faire le dhikr avec le Ism Allah, bien sûr. Et à chaque fois, enfin, les deux premières phases de dhikr, il nous demande de mettre une intention avec ce dhikr pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous divulgue des choses, nous fasse voir des choses pour qu'en fait on comprenne la création, le pourquoi du comment. Ça nous explique vraiment, vraiment tout. Et ça nous amène en fait à comprendre et surtout à nous faire accepter le sir qui arrive après par Sayyidina Shir. C'est vraiment une phase préparatoire, on va dire, de compréhension et d'acceptation. Donc on fait ce dhikr Allah, on voit des choses extraordinaires, bien sûr. Je ne pourrais pas tout vous divulguer, mais mon shir m'a autorisé à divulguer certaines choses pour vous donner soif et venir voir ça, parce que c'est extraordinaire. Et du coup, le premier jour, je faisais du dhikr Allah pendant très longtemps. Et on est bien sûr en état de jeûne. Et on fait les 5 prières par jour, plus quelques prières sous-érogatoires. Et c'est une chère qui vient nous faire couper le jeûne. Après Maghrib, il nous ramène quelques dattes, de l'huile d'olive, du lait. Donc voilà. Et le premier jour, je faisais du dhikr Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dévoile la création, beaucoup de choses. Et j'ai vu par exemple l'enfer, où les gens criaient, était mal, était dans une douleur extrême, vraiment en état de détresse. On ressent vraiment les choses, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bon, bien sûr, ça c'est fort. Et du coup, j'ai vu l'enfer avec les gens qui étaient dedans, etc. J'ai vu aussi l'inverse, le paradis avec les gens dans la béatitude, de la lumière, de la beauté. C'était les deux extrêmes, on va dire. Et sur ce sujet-là, j'ai trouvé un hadith par la suite de ma khalwa en plus, subhanallah, et j'aimerais vous en faire part. Donc c'est Harita, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient un jour voir le prophète, et le prophète lui dit « Comment vas-tu, ô Harita ?» Et Harita lui répond « Ça y est, je suis devenu un véritable croyant, » répond le jeune homme.
le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Oharita, chaque chose a sa réalité. Et toi, quelle est la réalité de ta foi ?» Et Harita lui répond, « Mon âme, explique Harita, est détachée de ce monde. J'arrive à veiller la nuit, j'arrive à jeûner le jour. Il me semble voir distinctement le trône de mon Seigneur. J'arrive à voir les habitants du paradis se rendre visite. Et les habitants de l'enfer y crier de douleur. » Subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, « Attache-toi à ça, à ce que tu viens de me dire. » Et il l'a encouragé même à deux reprises. Et en s'adressant aux autres qui étaient autour, il ajouta, « Lui, Harita, voilà quelqu'un dont Allah lui a mis de la lumière dans le cœur. » Subhanallah. Donc nous, on voit bien que... Il nous arrive exactement la même chose, cette réalité de la foi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ces choses-là, on comprend ces choses-là, et on voit aussi beaucoup d'autres choses, bien sûr. C'était juste un exemple pour montrer que cette réalité existait à l'époque des compagnons du prophète, et que nous, on le vit aussi de nos jours, subhanallah, très très longtemps après, par la baraka de Sayyidina Shir. Donc, on voit aussi beaucoup d'autres choses, et... J'ai vu aussi, par exemple, les sept terres et les sept cieux, les univers, les sept cieux emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire que je voyais la terre, par exemple, avec un univers, le premier, après une autre terre et le deuxième univers qui l'englobait, et ainsi de suite, sept fois, en fait. Et après, le trône, etc. C'est quelque chose d'incroyable. Vous allez peut-être me prendre pour un fou ou je sais pas, mais il faut vraiment venir pour le voir et le vivre. C'est même pas quelque chose de mental, c'est transcendant, c'est autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 65 verset 12, il nous fait bien mention qu'il y a les sept cieux et autant de terres. Donc sept terres. Et on voit ces choses-là, et on voit pas huit terres ou neuf terres, on voit sept terres exactement comme il y a dans le Coran. Et j'ai vu aussi plein de choses, on voyage dans l'univers, on fait des choses extraordinaires. Et c'est vraiment pour comprendre la création et toutes les choses qu'Allah a créées. Et j'ai vu par exemple des êtres qui ne sont pas humains, qui, je ne vais pas dire extraterrestres parce que ça fait bizarre, mais oui, ils sont pas humains, c'est des autres êtres, on va dire, qu'Allah a créés. Et je les ai vus par exemple réciter du Coran, faire la Shahada. Et après, par la suite de ma khalwa, subhanallah, j'ai lu un verset dans la sourate 25, le premier verset d'ailleurs de la sourate 25, qui dit nous avons envoyé le livre du discernement sur notre serviteur, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes, pour les univers. Donc c'est pas que pour nous les humains. Et du coup, on voit cette réalité-là. On voit que dans d'autres univers, on connaît le Coran, on fait la Shahada, on connaît Allah, on connaît notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses extraordinaires. Et par la suite aussi, j'ai vu toute la création faire du dhikr, par exemple, les arbres faire du dhikr, répéter Allah, Allah, se rappeler d'Allah. J'ai vu toutes les herbes se rappeler Allah, l'eau faire du dhikr, Allah. J'ai vu les animaux faire du dhikr, Allah, c'est incroyable. Et nous, on est là en tant qu'humains, la plupart du temps, on ne pense pas à Allah, on pense à autre chose, subhanallah, et on marche sur l'herbe, on la méprise, on croit que c'est qu'on vaut mieux qu'elle, alors qu'elle, elle est constamment en dhikr Allah, et nous on fait des choses, on pense même des fois des choses horribles, on pense même pas à Allah, alors que ce brin d'herbe là, ou cette eau, ou cet animal qu'on méprise, il est tout le temps constamment en dhikr Allah. Et subhanallah, nous on se croit meilleur qu'eux, alors qu'on est même sous leurs pieds, on est rien, on est rien du tout. Et du coup c'est extraordinaire, on voit ces choses là, et on comprend la réalité, la vraie réalité, ce qui se passe vraiment dans le monde, dans l'univers, dans la création d'Allah, et ça nous fait redescendre un peu de notre nuage, de notre stature, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc après Sayyidina Shir, après les deux intentions qu'on met dans le dhikr, il nous divulgue le sir. Donc le sir, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pas une phrase,
C'est quelque chose à laquelle on peut réfléchir par la suite, mais sur le coup, c'est après avec le DIC et cette annonce-là, ce dévoilement, c'est quelque chose avec laquelle on vit, c'est quelque chose par le cœur, c'est même pas quelque chose par le mental, c'est incroyable. C'est comme je disais, après on peut réfléchir avec le mental, mais sur le coup, c'est pas une phrase qu'on vous dit comme ça, c'est vraiment un dévoilement, c'est transcendant, c'est pas. Tout le monde peut dire, par exemple, je vais te donner un secret et me dire une phrase et voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais là, on sait que c'est vrai, c'est avec le cœur, vraiment, on le vit, c'est un dévoilement. C'est dur à expliquer, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment divin, c'est exceptionnel. Donc voilà, ma chaloua s'est bien passée et j'espère que ça va vous donner envie de venir la faire, de venir voir cette lumière. Qui est ici dans notre Tariqa Karkaria. Si jamais vous prend l'envie de venir par une grâce divine, venez, n'hésitez pas et venez vivre vraiment votre foi et voir cette lumière. Elle est magnifique. Et ça va vraiment changer votre vie, ça va changer notre vie, ça vous ramène dans l'amour, dans la paix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.